Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va vous présenter l'envers du décor de la pochette du single Tourne-Tourne. Voilà, après une petite séance de maquillage, dans l'épisode précédent, vous avez montré comment on avait mis au point la tenue avec Roland. Et là, je vous laisse avec Fifou, le photographe et directeur artistique qui va vous expliquer tout ça. Fifou, photographe, directeur artistique, connu essentiellement à travers beaucoup de covers que j'ai pu faire dans le rap français. Et là, on est à mon studio, photo, le salon. Alors avec Sylvain, c'est toujours très très efficace. C'est-à-dire que tous les shoots, alors le shoot qu'on avait fait sur l'album précédent, je sais pas, mais je dirais qu'on a shooté 3 heures maximum. Je pense qu'il a un vrai potentiel déjà d'acting et peut-être mannequin. Mais en tout cas, à chaque fois, voilà, ça se passe toujours, c'est très très fluide, on parle pas beaucoup, on commence à bien se connaître, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on shoot, ça se passe toujours très bien. Là, sur ce shooting-là, la référence ultime, c'était le Joker, et surtout de retrouver un grain, de garder un peu l'univers de Sylvain qui a toujours été très élégant. En fait, il y a un côté un peu dandy, voilà. On a voulu respecter un peu ça, de garder ce côté dandy, sauf que là, on a ramené plus de folie pour coller au maximum sur la thématique du morceau, du clip aussi qui a été tourné. On a pris le temps aussi de regarder un peu ce qui a été tourné en amont pour être raccord au maximum, vu que là, on a shooté la cover single et la presse qui va accompagner un peu tout le projet. Moi, déjà, je pense qu'on a une bonne trentaine de photos qui marche et j'ai hâte de me poser dessus pour commencer à faire mes petits trafics graphiques habituels. Merci à toi, longue vie.